Et bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Nier Replicant. J'espère que vous allez bien. J'ai vu dans les options qu'on pouvait passer les musiques du jeu en mode Nier Automata. Musique d'ambiance, visiblement. Je l'ai mis un petit peu, mais alors oui, ça change des musiques et voilà, il y a un placement des musiques quand même en fonction de l'endroit. Mais j'avoue que je trouve que ça collait bien à l'ambiance Nier Automata. Mais du coup, je trouve que les musiques qu'on a dans ce jeu sont quand même, a priori, plus étudiées pour ce jeu-là, quoi. On va dire, correspondent plus. En tout cas, je me suis plus habitué à l'ambiance, du coup, qui sont dégagées par les musiques dans ce jeu, dans ces lieux-là. Là où les musiques d'Automata, de Nier Automata, bah, je trouve que ça contribue à l'ambiance de Nier Automata aussi. Donc j'avoue que, non, je vais rester comme ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'on aura des différences? Ça, c'est la grande question que je me pose. こういう手合いが多いのか、最近は。白も言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉でコケ脅しをするような。待て、続きがあるようだ。全て記憶を司る黒き存在。何時の望みし言葉を紡いだ。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。 Ah oui, alors, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs différents. Donc, si jamais je vois un dialogue différent, je vous le dis. Voilà, je pense qu'on va juste faire une lecture silencieuse, quoi. Hein? Alors je l'ai lu, mais c'est tes yeux bruns du coup. Ah, les bâtards, ils ont changé les mots. Ils ont changé les couleurs. Ah, oh. Du coup c'était brun. C'était déjà qu'elle n'a jamais su comprendre? Je me rappelais plus ça. Trente-trois. Thank you.
これを。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことで、もう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。 Bon, du coup, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Enfin, il y a voir à peine, à part les mots. On n'a pas eu. Mais après, c'est vrai que ça fait poser des questions. Parce que c'est vrai que j'avais pas forcément compris cette histoire autour de l'arbre et de l'ombre. Parce qu'en vrai, on voyait l'ombre, enfin, l'arbre qui essaie de parler. Puis là, après, t'as notre personnage qui disait ouais, mais c'est l'ombre, l'ombre essaie de parler. Et en fait, effectivement, j'imagine que du coup, l'ombre et l'arbre étaient plus ou moins la même entité. L'ombre avait possédé l'arbre et voilà. On sait pas, forcément, c'est pas toujours le cas à la fin, mais c'est juste que. Bon bah c'est bon, maintenant elle a réussi à vraiment fusionner ou j'en sais rien, je ne sais pas. Ou elle a réussi à trouver sa raison d'être à travers ce combat. Ça je suis pas encore sûr. Attendez, si on va voir Popo là, ça fait quoi déjà? C'est pour le sacré? Non bah non. Pourquoi on pourrait aller parler à Popo là? Je suis perplexe. Donc allons voir Popo là. Oh. On connaissait pas non plus celui-là. Mais ouais, tiens, allons voir Popo. Popo-san. Mao no shiro no kagi no jōhō wa nani ka wakarimashita ka? Sou sou. Chōdo sono koto de hanashitai koto ga atta no. Gakke no mura wa wakaru wa yo ne? Ah. Ano yūtsu na mono domo no inki na mura ka? それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。 いえ。 魔王の城の鍵の名前が。 Du coup, c'est faire la forêt qui débloque ça en fait, ou c'est faire peut-être la forêt et la première partie de des robots, la montagne des robots. そうね。 J'imagine que c'est comme ça dans le jeu. かくむらの村長に問い合わせてみたの。すごい。さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、 魔王の城の鍵の情報まで教えると、ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻ってはこない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。気が滅いることだな。もし、 voilà, on me laisse pas le choix, ouais. Vu que j'ai pris ça, on considère que c'est la prochaine étape. Ça me va. Ça me va. あの村の者たちが店を出すとは、 随分と心境の変化があったものだな。 変化したのは本当に心境なのか？ 私には信じられん。 里帰りですね、カイネさん。 里？ 私にとってあの村は カイネ、心配するな。俺たちが守るから。 守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。 村が近づいてきたぞ。嫌な思い出が近づいてきたぞ。 怖いね。 黙れ、黙ってろ。 私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら、このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。Non mais attendez, c'est pas... Attends, pardon? Mais du coup c'est pas les... C'est pas les mêmes que ceux qui vivent avec Kainé. C'est pas possible.
que sinon, qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre fille? Bordel. あの男がやってくる。そうだ。あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば？一体どうすればいいのだ？ Ou c'est justement parce qu'il la considère dangereuse étant donné qu'elle est comme nous. Ah putain, mais en vrai ouais, ça a du sens hein. Parce que quand tu regardais leur dialogue, ils étaient vraiment en mode ouais, m'approche pas, on te suit comme la peste. Je sais pas si j'avais fait la blague de j'ai tué toute votre famille, mais visiblement c'était le cas hein, plus ou moins. Terrible. Mais attendez d'ailleurs. Non, y a pas de traces d'incendie ici. Donc c'est pas là l'endroit où elle était la maison de Kainé. Je pense. Et l'ambiance dans cette zone, elle est pas magistrale aussi. Ah non mais... En fait, ouais, cette ville-là, elle est vraiment trop trop bien aussi. Hein. Bah du coup tu mens en fait. C'est pas possible. Si vous êtes des ombres. Putain. Ou alors vous faites attaquer par les vôtres. Coup dur.俺たちポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件について、お話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。 他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。魔物じゃないなら証明してみせなさいよ。もう生きていても仕方がない。 お前たちもいつか。
閉じこもっているのはやめにしたんだ。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかにこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。シロ。分かっておる、魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。イエス。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな、他にもいるはずだぞ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。Limite à se demander qui est en train de parler. Si c'est vraiment des gens dans des maisons là. Thank you.
なんだこれは。これでは我らの方が。アイネさん、危ない。殺せ。こいつらを殺すんだ。お願い、やめてください。僕たちを、あなた方を魔物から守ろうと。やめてください、お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立て、立ってくれ。はい、おい、いよいよ壊れたか。俺の出番か。それで本当にいいのか、カイネ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。Petit bâtard. お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。こちらで村人が襲われておるぞ。カイネ、起きてくれ。目を、エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。あの黒い渦は、お願いだから。守るだというのか。村人たちは
巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。球体の中心から何かを感じるぞ。集中させよう。今
術の中心に魔力を集中させよ。逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。分かった、エミー、あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。ラシが開かぬぞ。
僕と一緒に、あいつに力を見つけてください。わかった。おい、もうやめろ、エミール。エミール！いな、エミールはおらぬ。ここにあるは、最強兵器の本能のみ。On n'avait pas eu ça. Des pouvoirs incontrôlables. Je dois protéger les personnes que j'aime. C'est l'unique pensée que j'avais en tête lorsque j'ai anéanti l'ombre. Mais aussi ceux qui l'entouraient. Donc ça, c'est Émile, hein. On est d'accord. Tous. Tandis innocentes. Détruire. Éviscérer. Écraser. Tuer. Ces sombres pulsions évincent toutes les autres pensées. En tant qu'arme magique, ce sont mes instincts. Je ferais peut-être mieux de dire ce que ce sont... Rien qui s'affichait là. D'accord. Super. Rêve d'Émile, carnage. Sympathique ça. Une alarme retentit dans les entrailles du laboratoire. D'épaisses parois s'abaissent pour sceller la pièce dans une cacophonie métallique. Interrompez l'expérience. Numéro 6 est hors de contrôle. Évacuation immédiate, évacue. Le scientifique est brusquement interrompu quand une main gigantesque se matérialise dans la pénombre pour le soulever.
Le chercheur hurle et hurle encore, ses cris résonnant sur les murs du laboratoire, jusqu'à ce que la main se resserre et recouvre la pièce d'une teinte écarlate. Ses collègues restent immobiles, la bouche ouverte, incapables de réaliser ce qu'ils ont vu. Puis une chercheuse fait un pas en arrière et laisse s'échapper un gémissement déchirant. C'est une grave erreur, car l'écho de son cri incite le monstre à dévoiler sa sinistre allure. Son corps est un cadavre, et sa tête, un crâne souriant. Elle est bien plus grande qu'un être humain. Sa tête donne ligne d'un côté à l'autre, tandis qu'elle parcourt lourdement la salle à quatre pattes, à la manière sauvage d'une bête affamée. Cette chose est l'arme expérimentale numéro 6. Elle s'appelle aussi Alua. Non, oh non, arrête s'il te plaît. Mon dieu, sauvez-moi, sauvez-moi! Je ne veux pas mourir! Un à un, les cris affolés des chercheurs sont étouffés. Numéro 6 comprend leurs prières, mais elle ne les écoute pas, préférant poursuivre le massacre et la destruction avec une concentration proche de l'obsession. Après une éternité, l'hurlement cesse. Les alarmes se taisent. À ce moment seulement, la créature émet un son. Un rugissement insondable qui résonne dans les salles désertes du laboratoire ensanglanté. Un son destiné à maudire ceux qui ont rapporté tant de cruauté en ce monde. Et qui, à la fois, semble appeler à l'aide. Mmh. Ça se calme. Les bruits de pas de deux individus résonnent dans le silence du premier niveau du laboratoire. Le premier est un jeune garçon, les yeux bandés et les mains liées. Le second est un homme sévère en blouse blanche. L'homme traîne le garçon avec une longue chaîne attachée aux menottes qui entrave ses poignets. Des décombres sont éparpillés çà et là, dans le couloir, et le trajet s'avère extrêmement difficile pour le garçon, privé de ses yeux. Excusez-moi. Pouvez-vous ralentir, monsieur? Je ne suis pas habitué à avoir les yeux bandés. Au lieu de s'arrêter, l'homme accélère la cadence et le garçon trébuche en essayant de le rattraper. Monsieur, s'il vous plaît, je n'arrive pas... Ferme-la ! Hurle l'homme en tirant plus si fort sur la chaîne que le garçon laisse derrière lui des traînées de sang. Cette dernière humiliation est trop, et le garçon ne parvient pas à retenir sa chute. Incapable de se protéger, il s'effondre au sol et heurte sa tête sur les décombres. Un filet de sang se dessine sur sa figure pâle et effrayée. Meurtri par la douleur, le garçon ouvre les yeux, et les gouttes de sang qui tombent de son front émettent un étrange craquement. Avant de se transformer en petite pierre. Ferme les yeux, imbécile ! Rugit l'homme. D'accord ! Bégaye le garçon en fermant les paupières. Il n'avait pas réalisé que le bandeau avait glissé pendant sa chute, mais à présent, il presse les yeux si fort qu'il lui semble voir des étincelles dans l'obscurité. Le garçon s'appelle Émile. On l'appelle aussi numéro 7. Ne me regarde pas ! Aboie l'homme. Jamais ! Je suis désolé, monsieur. Je regarde le sol. Si vous pouvez me passer le. Au lieu de le laisser finir, l'homme tend son pied pour presser le visage d'Emile contre le sol de sa lourde botte noire. Arrêtez, monsieur, vous me faites mal. Ferme les yeux et tais-toi, compris? L'homme sait que ce garçon, cette arme, peut l'anéantir d'un simple regard, mais l'éprouve en un grand soulagement en le rabaissant ainsi. Après s'être assuré que le garçon reste docile, l'homme se baisse, récupère le bandeau et l'attache fermement autour de sa tête tremblante. Bon, debout, on y va. Emile se relève avec peine, tâchant d'ignorer le liquide rouge sur son visage. Le sang n'a pas d'importance. La douleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'accomplir la mission qu'ils lui ont confiée. Le deuxième niveau du laboratoire est encore plus délabré que le premier. Le sol est jonché de gravats, et il est impossible d'y s'y aventurer sans risquer la chute. En posant les yeux sur des décombres tachés d'un rouge profond, l'homme imagine un gâteau chaud et moelleux, nappé d'un coulis de fraises. Son estomac vacille à cette idée, et quand il cherche à détourner les yeux, il aperçoit une sorte de bouillie, les restes d'un être humain. L'homme cligne les yeux. Avant qu'il puisse se demander combien de victimes pulvérisées sont entassées autour de lui, son esprit se vide. L'instant d'après, ses pensées cessent, tout simplement, comme si son esprit avait réalisé que toute réflexion était insensée. « Je peux faire le reste du chemin tout seul !» dit l'homme d'une voix plus faible qu'il ne le voudrait. « Quelle importance au final ! T'es pas humain, t'es un monstre !» Sur ces mots, l'homme tourne les talons et s'enfuit. Émile, démuni, entend le bruit de pattes de son ancien tensionnaire disparaître au loin. Émile se retrouve seul, dans une salle aux effluves de mort et de sang. Il envisage un instant d'ouvrir les yeux, mais à l'idée des horreurs qui l'attendent, il change rapidement d'avis. Il reste donc immobile et tend une oreille attentive. Un son lointain finit par lui parvenir. C'est hurlement que j'ai entendu plus tôt. Émile reprend sa progression, guidé par la voix distante. C'est presque comme s'il rentrait chez lui. Au troisième niveau, Émile se laisse aussi guider par sa mémoire et que par ses sons. Ses mains et son visage sont couverts de blessures à cause de ses chutes. Et à chaque fois qu'il pense abandonner, il se rappelle. Sa sœur. Nous avons étudié ensemble. Nous avons mangé des biscuits ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons ri ensemble. Parfois, j'étais seul à me faire gronder.
me suis jamais senti seul car nous étions toujours ensemble. La sœur d'Emile était sa seule raison de vivre. Cette pensée en tête, il va de l'avant, un pas lent après l'autre. Enfin, Emile approche d'une salle expérimentale dans les profondeurs du laboratoire. À présent, l'hurlement est très proche. Et alors qu'il appuie sur l'interrupteur qui contrôle la porte, il se concentre sur sa mission. Numéro 6 est l'arme ultime. C'est aussi sa sœur. Et il doit la changer en pierre. Superbe. La porte s'ouvre lentement, dévoilant la gigantesque salle expérimentale. Emile s'avance, puis retire son bandeau et ouvre doucement les yeux. Sa sœur rôde devant lui. Ce n'est plus la petite fille qu'il a connue, mais une bête sauvage qui se déplace à quatre pattes parmi les dépouilles des scientifiques. Quand la créature qui était sa sœur s'arrête et tourne la tête vers lui, Emile concentre son regard sur tout son être. Le corps de la chose émet une série de légers craquements sous l'effet de son terrible pouvoir. D'abord les doigts, puis les mains, les bras, les jambes, la tête. Un gris terne remplace le peu de couleur que possédait la bête. Pourtant, la créature réussit à réunir ses dernières forces pour se diriger vers Emile, un effort lent et difficile à la fois. L'énorme monstre s'approche en gémissant. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi? Est-ce qu'elle vient me tuer? Emile est prêt à accepter les deux éventualités. Après tout, c'était sa grande sœur, la personne qu'il aimait plus que tout au monde. Quand Emile se met à parler, numéro 6 s'arrête. Le frère et la sœur s'observent dans un silence absolu. Je suis désolé, Alua, mais ils disent que t'es trop puissante, trop dangereuse, et que je dois te sceller. Je suis vraiment désolé. Tandis qu'Emile regarde le corps de sa sœur se changer en pierre, numéro 6 attend, parfaitement calme. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Numéro 6, pétrifié, ses souvenirs se déversent dans l'esprit d'Emile. Son frère et elle se réchauffent l'un contre l'autre. Seul au monde, sans personne pour les protéger. Elle voulait seulement sauver son petit frère. Mais pourtant, c'est son petit frère qui, dans un sens, l'avait sauvé. La pétrification achevée, Emile tombe à genoux. Une sœur figée, un frère ravagé par sa culpabilité. Seul dans cette cage gelée, il pleure à l'unisson, en silence. Nos pouvoirs unis qui ont détruit l'air. Des existences, des vies, des mémoires entières. Nous avons tout pris. Tout. Ma sœur, pourtant si gentille, a été transformée en monstre. Maintenant que j'ai son pouvoir, il m'arrivera la même chose. Si mes instincts d'âme prennent le dessus et me détruisent, si je finis par blesser un être qui m'est cher, je... ああ。皆さん、ごめんなさい。僕の罪で罪のない人まで。けど、エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。 でも、でも、いいんだ。もう、振り向くな。 出よう。そうだな。
trop content d'en apprendre plus sur Emile, par contre. Spoiler, ils nous en ont envoyé une. Mais on va pas faire ça maintenant, pour le coup. On va s'arrêter là, je pense. Parce que, enfin... Ah, ça sera un épisode plus court que les autres. Il fera pas une heure, celui-là, hein, désolé. Mais en vrai, on a quand même pas mal avancé. Il nous reste plus qu'un fragment à choper. Et je crois que c'est tout, hein. Plus qu'un fragment, ensuite c'est temple oublié, et puis let's go, hein. Donc bon... On va juste passer voir s'il y a pas Popo... non, pas Popo. Devo. S'il n'y a pas Devo qui aurait une quête pour nous. Je ne suis pas intéressé. Non merci. On va s'en passer. Ok. Non bon, on va aller juste récupérer la lettre. Et let's go. Tegami ga kiteiru yo da na. Oui. Onegai ne. Iroiro sewa ni natteru shi. Hanashi dake demo kiite yaro. Robotto yama ni ikuso. Ah, ikuso. Mais ikuso la prochaine fois. Là, je pense que voilà, je pense que bon. Oui, je pourrais peut-être le faire, et voilà, au moins on aurait tout fait, mais j'ai peur que ça prenne un peu trop longtemps, moi, de mon côté. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, pour la suite de notre Let's Play sur Nier Replicant. C'est vraiment un gros plaisir, hein, je passe un énorme moment sur le jeu. C'est vrai que je dis peut-être pas forcément, mais en fait, bon, c'est vrai que j'enchaîne tellement, moi, les tournages de mon côté, que, bon, c'est vrai que, voilà, je joue tellement à ce jeu à chaque fois que, bon, hein. J'ai presque autant d'heures sur ce jeu que sur Nier Automata. Hein. C'est dire. Hein. Juste parce que je suis resté beaucoup trop longtemps dans certaines zones, quoi. Mais bon. Bref, en attendant, prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.